À la rentrée 1969, les trotskistes de la Ligue communiste, majoritairement présents au sein des comités d'action lycéens, profitent de leur affaiblissement pour transformer ce vaste réseau en outil de recrutement de leur parti. Les comités sont dissous et laissent place au Cercle Rouge. Mais si les trotskistes ont pris le pouvoir dans les lycées, les idées anti-autoritaires cherchent à s'exprimer à l'extérieur.